Je suis Julius César, le chef de Rome. Et grâce à toutes mes stratégies, j'ai réussi à gagner des guerres. Je suis tellement imbu de moi-même. Et un jour, Julius César a rencontré... Oui, c'est moi, Diana. Je suis une demoiselle tellement fraîche. Je suis tellement jolie, intelligente et parfaite. César tombe amoureux de Diana, ce qui est déchire, c'est normal. Diana tombe amoureux de César, on ne saura jamais pourquoi. Mais ils finissent par... T'as compris le truc que les adultes y font quand... Donc, Diana est tombée enceinte, ils ont un enfant. Et le petit tombe malade. César attrape la maladie, et là, il devient stérile. Chah, ça lui apprendra. Et donc, César, il en veut au petit. Et il n'est pas très sympa avec lui. Mais le petit, lui, il grandit, tout va bien, et il le vit très bien, et il est très heureux. Voilà. C'est toi, ça? Oui. Parce que lui, il est musclé, et toi, t'es pas musclé. Moi, je suis pas musclé, moi. Bah, mon petit pote, faut que tu regardes mieux, parce que là, je crois que c'est évident, quand même. Et pourquoi t'habites là? Bah, parce que c'est bien. Tu vas bien, il n'y a pas de voisins, c'est confortable, j'adore. Tu vas pas accueillir ton père? Non, je peux pas, parce que là j'ai une soirée compote avec des amis. Du coup, okay. Je vais rester me préparer et faire... ouais, voilà, je fais ça. Retour de Julius César. Et il a un cadeau pour Rome. Genoux. Non ! À genoux. Moi, Julius César, déclare officiellement la capture de Vercingétorix. Le taureau noir, celui qui a tenté de réunifier les Gaulois contre moi, eh ben, il s'est bien fait trahir dans sa gueule. Les Gaulois sont encore plus divisés. Et mes légionnaires, dans quelques jours, finiront le travail. On est intouchables. Excuse-moi, César, juste une question. Oh, Gaius, tu sais que j'aime pas quand on me coupe la parole. Oui, non, non, mais c'est juste que techniquement, on n'est pas intouchables, parce qu'il faut déjà garder les frontières. Oui, mais techniquement, je vais devoir te fermer ta gueule. C'est bête parce que t'es un bon élément, tu sais. Au cachot. Non, mais je critiquais pas, c'était une simple remarque. C'était pour aider César. Mais moi, j'ai rien dit. César. Bon, attendez, les gars, je vous demande pas grand-chose quand même, non? Juste, vous faites ce que je dis et vous ne me coupez pas la parole. Enfin, c'est pas compliqué quand même. Pour moi, t'avais terminé ta phrase. Non, mais j'allais peut-être ajouter un petit truc, quand même. Mais c'est une allergie, c'est même pas contagieux. Non, allez, on y va, c'est parti, salut. Tous les ans, c'est pareil. On en parle ce soir. Alors, bonjour. Moi, c'est Brutus. C'est nul. Salut. Ravi de faire votre connaissance. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Bonsoir. Bonsoir. C'est bien là, la soirée compote? C'est Rufus, il m'a invité à une soirée compote. Complot. Soirée complot. Non, je crois qu'il a bien dit compote. C'est pas possible.
Bah, je sais quand même ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Que c'était secret, que c'était interdit, c'était dangereux, et qu'il fallait amener une cuillère. Non, il a pas dit ça. Non, il a pas dit ça. Alors, Rufus et moi-même, vous remercions de votre présence. Car nous sommes de plus en plus nombreux et nous pensons qu'il faut agir. Vite. Ça ne peut plus durer, mes amis. L'avenir est sombre. On est tous des amis. C'est plus un guide, c'est un tyran. Plus personne ne se sent en sécurité, vrai ou faux ? Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Alors, est-ce que nous allons continuer comme ça ? Non. Non. Pas envie. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il a la plus grande armée du monde, mais il y a un endroit où il est vulnérable. La carotide. Parce qu'on est tous vulnérables de la carotide, du coup... C'est sûr que lui aussi, il est... Non. Hein? Non, c'est le Sénat. Car on ne peut pas entrer armé au Sénat, donc c'est au Sénat qu'il est vulnérable. Plus qu'à la carotide. Rufus, on peut se parler? C'est pas possible, ça. Tu le sors d'où, lui? C'est Brutus, le fils de César. Mais t'as pété les plombs, dis-je. J'ai dit que Brutus était le fils de César, pas que César était le père de Brutus. C'est qui César pour toi ? Ah, c'est mon père. Mais quand César t'appelle, il dit mon fils ? Non, il m'appelle l'autre. Il est où l'autre ? Qu'est-ce qu'il veut l'autre ? C'est pour ça que tu penses à sa mort. Hein ? Pas du tout. Attends, qu'est-ce que tu fais là alors ? Attendez, est-ce que vous voulez tuer César ? Et c'est quoi d'autre, une soirée complot ? Déjà, tu m'avais dit compote à la base. Mais non, je veux plus de compote, je ne peux pas dire compote. Je me rappelle très bien, j'ai une très bonne idée. Non, j'ai une soirée où on complote, je n'ai pas dit quoi, une soirée compote. Ah bah oui, mais complote. Si tu le bats aussi, on peut pas... En fait, de toute façon, c'est débile. Qui fait des soirées compote ? Pourquoi ce serait débile ? Il y a des soirées raclette, des soirées crêpes, il pourrait y avoir des soirées compote. Moi, les gars, c'est simple. Je veux bien être votre ami, parce que j'aime beaucoup l'énergie qui se dégageait de tout à l'heure. C'est feng shui, c'est fédérateur. Mais je veux pas qu'on tue César. Là, tu nous laisses pas le choix. On a pris une décision. N'importe quoi. Et on sait trop, il faut le tuer, c'est tout. Réfléchis, Cassius. Pense aux symboles. Je m'en tape des symboles. Non, tu t'en tapes pas. Tu veux que le peuple nous soutienne. Et si c'est son propre fils qui porte le premier coup, ça aura encore plus de poids. Ça devait être nous, les premiers. Le premier se fera certainement tuer. L'important, les symboles. Et puis, il n'a pas de famille, pas d'amis, personne ne le regrettera. C'est le martyr idéal. Qui est pour ? Tu comprends, Brutus ? On ne peut pas prendre le risque que tu l'avertisses. On te relâchera dès qu'on aura tué César. C'est lui l'ennemi, pas toi. Mais vous, tu ne veux pas le tuer avec nous ? Tu te souviens, Cassius ? La première fois qu'on a vu César. La première. Quoi, quand il est venu au Sénat ? Et quel courage ! Qui fixe le Sénat sans sourciller. Ouais. Il dit... Chaque Romain fait partie de Rome. Quand tu tues un Romain, c'est Rome que tu blesses. Il a bien changé. C'est devenu un monstre. C'est pour le peuple qu'on fait ça. C'est pour ça qu'il faudrait nous aider, Brutus. C'est pour rigoler. Introuvable. On est mort. Si le
n'a plus le choix. Il faut tuer César aujourd'hui. Tu comprends ça, faire des choses de toi-même et pas toujours venir voir le grand César, ok? Est-ce que moi, Julius César, quand j'ai faim ou j'ai soif, je vais vous demander quelque chose? Eh ben non, parce que je suis autonome, ok? Il va falloir que vous vous débrouillez un petit peu par vous-même. Allez, suivant. César, faut que je te parle. Comment tu m'as appelé? César. Et comment tu dois m'appeler? Père? Empereur. Empereur. Père. Empereur, j'ai dit. Père, t'as dit mon père. J'ai pas dit père. Il a dit père. J'ai dit empereur. Oh, ça suffit avec tout ça maintenant, hein? C'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Hein, Tonia? Alors, doucement, là. Pourquoi tu vas si fort, enfin? Tu veux m'enrhumer? Non, pardon, parce que, en fait, j'essaie... Attends. Tu veux me rendre malade, c'est ça? Non. Mais oui, c'est ça. Tu veux me tuer? Non. C'est ça. Non. C'est incroyable. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai nourri, je t'ai logé, je t'ai traité comme ma propre fille. C'est quoi ton prénom? Albana. Si je te vois encore une seule César. Fois... essayer de... Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, vous avez fait le signe que vous voulez un plateau de fruits. Alors toi, t'es le plus débile d'ici, en fait. C'est fou, ça. Le signe pour les fruits, c'est celui-là. L'autre signe, c'est celui-là. Comment tu confonds ça? Et ça, c'est... Non, oh, ça y est, t'as gagné, toi. Garde. Pfft. Allez. Impossible, celui-là. Garde. Pfft. Hop. Allez, dégagez. Emmenez-le au cachot. On les tuera demain. Mais ils font partie de Rome. C'est moi, Rome. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Dans ce cas, dégage. Hors de ma vue. Suivant. J'en suis. Excusez-moi, ce que je suis là, je suis revenu. Souvent tu dis je fais, après tu fais pas. Regarde. Excusez-moi, je... Je suis avec vous, c'est bon. Je suis d'accord. Tu as pris la bonne décision, Brutus. Ils sont pas là, les autres? Non, parce qu'ils sont... Ils sont occupés. Ils ont piscine. Parce qu'on est en semaine B. Ils ont eu peur? Oui. Ouais. On agira au début de la séance, quand il y a encore du mouvement. C'est toi, Brutus, qui aura l'honneur de frapper en premier. Tu surgis et tu poignardes. On va créer un truc. Hein? Au moment où je le poignarde, je peux crier quelque chose, comme une phrase qui resterait dans l'histoire, genre liberté. Et après je... Non, tu cries rien du tout. Hein. C'est un travail d'équipe, ça. T'es pas en solo là, d'accord, hein? Tu surgis et tu poignardes. C'est clair pour tout le monde? Après, si je peux me permettre, vraiment un tout petit cri, je vous jure. Bon, c'est bon, là. Arrête de forcer. Mes amis, allons écrire l'histoire. Thank you.
mère. Je voulais juste faire des tartines. C'est pas la peine. Tais-toi. Alors déjà non, tu m'as jamais traité comme ton fils, ce qui est bizarre en plus parce que je suis ton fils. On attend encore les analyses, hein. Vas-y, comment je m'appelle? L'autre. Non, ça c'est le surnom que tu m'as donné. Le surnom affectueux que je t'ai donné. Tu sais rien de moi. Je sais que t'es un traître et que tu vas mourir, ça me suffit. Tu vas me tuer? Déjà que vivant, tu manquais à personne, alors mort. Adieu, l'autre. Va-t'en. Pars. Je ne veux plus te voir à Rome. Ne te retourne pas, va-t'en. Quand vas-tu comprendre que personne ne t'aime ici? Tu n'es pas le bienvenu. Vous allez me tuer? C'est nous, Cassius Rufus. Non, ça me... Enfin, je connais un Rufus, mais il est sénateur, il n'est pas garde. Donc, et Cassius, j'ai jamais entendu parler. Il déconne, hein, quoi? Bon, Brutus, c'est nous. Oh, Rufus, t'es venu m'aider? Enchanté, Brutus. Tu vas filer à la porte sud. Un de nos hommes t'y attend. Mais après, je fais quoi? Tu commences une nouvelle vie. Il n'y a plus rien pour toi ici. Mais César? Bah, César, depuis ton vol plané, on peut plus l'approcher. Ah! Tu me rappelles quelqu'un, toi? Bon, voilà, c'est moi, là. Tu me reconnais comme ça, hein? Oh. Brutus, il faut que tu quittes Rome, le plus vite possible. Mais moi, j'ai pas envie de quitter Rome. Tu sais ce qu'il a prévu pour toi, ton taré de père, hein? Il veut te sacrifier demain, alors tu choisis. Ou une vie ailleurs, ou une mort ici. Oh, c'est bon, ça. Waouh. Ça... Hein? C'est magnifique. Ah. Waouh. C'est profond, c'est puissant. Ça m'est venu, mais alors, comme ça. Tu l'avais déjà sorti. Du tout. Brutus, fuis, pauvre fou. Oui. Cassius. Brutus. On est en présidentiel. Merci. Je comprends que ce soit pas votre style. Mais en tout cas, on peut mettre jusqu'à 2000 personnes ici. Vous vous rendez compte? Et c'est qui, eux? Apparemment, ils veulent racheter. Et si vous voulez, vous pouvez couper la moitié pour... César, on est prêt. C'est quand tu veux. J'ai une surprise pour vous, peuple de Rome. Qu'on amène les sacrifiés. Cher Rome, pour toi aujourd'hui, ce sacrifice d'esclaves qui m'ont trahi, déçu, ou trahi slash déçu, ou les deux. Ces attaqueurs, aujourd'hui, hey, devant nous. Oh, t'es pas le fils de César, toi? Bah, non, pas du tout, rien à voir, pourquoi tu... Pas du tout. Ah bon? Bah non, je... Bah, comment tu t'appelles? Brutus, Fructus Gus Bulge. Fructus Gulbul. Bulls, le Z est, ouais, c'est moitié romain et moitié turc. Chanté Fructus. Spartacus. Je veillerai toujours à votre confort, à votre beauté et à votre pouvoir d'achat. La seule chose positive, c'est qu'on mourra ensemble, mon frère. Ah, oh, super. Et maintenant, que le sacrifice commence. Thank you.
Ouais. Ça fait 10 ans que je te pousse et tu marches. Ouais. Bah, ça doit être un miracle, je vois que c'est un miracle, je vais te niquer, tu vas voir. Couvre deux secondes. Je sais pas courir. J'ai plus envie de me casser la gueule. Seul contre tous. Quel courage. Allez, allez. Tu m'inspires, Fructus. Vous avez donc survécu. Je te dis, arrête-toi. Je vais te niquer, tu vas voir. Vous avez donc survécu à mes gladiateurs. Bravo. Bon, toi, t'es libre. T'es trop loin, on voit pas à qui tu parles. Toi, là, le fort, t'es libre. Tu le mérites, camarade. Bravo. C'est à toi qui parlais. C'est un honneur. Toi, la fille. Albana. T'es libre. Merci. Quant à toi, ô grand guerrier, qui as su rester en vie sans même lever le petit doigt, qui a insufflé sa force et sa passion aux autres, j'aimerais te laisser partir, mais... Oui. Ne préférez-vous pas voir cet homme défendre l'Empire, terrasser nos ennemis et devenir notre héros? Pas du tout. On préfère la liberté, là, comme les autres, là. On préfère ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai décidé de t'envoyer là où on aura le plus besoin de ton courage. En Gaule. Aidez nos forces à terrasser ces sauvages Gaulois. César, je t'en supplie, pas en Gaule. Années, j'étais capturé dans une bataille. Et toi? Oh, moi, je suis né esclave, comme mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes frères. Ah oui. Quoi. Ok. Bon. Bonne route. Ah pardon. Non, c'est pas trop mon truc ça. Enfin, je suis pas, tu vois, je suis pas tactile. Bah, oui, mais c'est plus. Pas contre toi. Hein. Moi non plus. Ça tombe bien. Voilà. Ok. Bon. Bonne continuation. Ciao. Et tu vas faire quoi toi maintenant que t'es libre? Je rentre chez moi. Une dette à régler. C'est bien ça, une dette à régler. J'ai pas de dette, moi. Je vais faire quoi, du coup? En tant qu'esclave, tu n'as pas d'âme, donc tu peux pas comprendre ce que je dis. Hein? Bah si, je comprends. Non, tu penses que tu peux, mais ton cerveau est pas adapté.
Bah franchement, là, j'ai tout compris. Non, non. Mais pourquoi? Mais parce que l'information ne peut pas accéder à ton cerveau à cause de tes molécules d'esclaves, tu vois? Ah, mais qui dit ça? Bon, hé, ça va maintenant. Je te dis que tu peux pas, c'est que tu peux pas. Allez, prenne pas esclave. T'es heureuse avec lui? Ah bah grave, hein, comme tu peux le voir, c'est un vrai kiff. Ok. Mais t'es con ou quoi? Évidemment que je suis malheureuse. T'as déjà vu des esclaves heureux, toi? Complètement con, celui-là. Qui ça? C'est moi que tu parles? Non, je... Que ferais-tu? Tu vois, il comprend pas. Il n'y a pas d'âme. Hein? Oh. Ah ouais? Mmh. On ne peut pas passer en même temps. Il faut se décaler. Libère-la. 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 Ah, je pense qu'il veut que tu libères la place pour qu'il puisse passer. Non. Ah. Non. Elle. Libère-la. Ça existe? Non, ça n'existe pas. Allez, viens. Lâche-moi. Quoi? Hein? Ah, je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis. Parce que comme j'ai pas d'âme, en fait, parce que du coup, je peux pas assimiler les mots. Oh là 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 là. C'est bon, je le libère. Albano, ça y est, je sais ce que je vais faire. Leur en vouloir. C'est que de la frustration. Ça fait longtemps qu'ils sont là, alors dès qu'il y a un nouveau, ils le chahutent un peu. C'est tellement violent dehors. À force, on reproduit à l'intérieur. Mais le plus dur, c'est même pas les Gaulois. C'est de pas voir sa famille. Elle te manque pas, la tienne? J'ai pas de famille. On a tous une famille. C'est même pour eux qu'on est là. Bah pour les défendre. Pour pas que ces chiens de barbares nous envahissent. Mais c'est pas nous qui les envahissons, là. Pour pas qu'ils nous envahissent. Alors, t'as vraiment pas de famille? Si, j'ai une personne. Vous habitiez ensemble? Non. Loin? Je pouvais pas être plus près. Eh bah, considère que t'as deux personnes, maintenant. Toi et moi, on est frères, ok? Frère? C'est ce que tu diras aux autres si t'embêtes encore. Cladiès! Attends, frère, comme. Comme des frères? Comme, attends, frère. Quand tu dis frère, c'est comme des vrais frères? Ouais. Parce que frère, c'est plus qu'ami, hein. Mm-hmm. Frère, c'est toute la vie. C'est pas. C'est toute la vie. Bon. Je viens d'apprendre qu'un de ces villages gaulois allait nous attaquer. Alors, vous allez y aller et l'attaquer en premier, ok? Quel village? Ah ben,
un de ces villages, là. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous sortez, vous prenez n'importe quelle direction. Et quand vous tombez sur un village, eh ben, c'est celui-là. Et qu'on nous attaque quand? Tout à l'heure. Je sais pas, moi, entre 10, 14. En tout cas, sûr avant de goûter. Hein. Faut se dépêcher, alors. Eh ben, ouais. Allez! Bah, ils sont foutus. Quoi? Comment ça, ils sont foutus? Ah non, mais t'inquiète pas, ils le savent. On fait tous semblant. Comme ça, on se démonte pas le moral entre nous. Mais non, ils vont revenir. Bien sûr, ouais. Quoi? Non, mais tu te rends compte? Une toche toute neuve. Il me mélange le blanc et le rouge. Bah, il a 10 ans quand même, quoi. Il a 10 ans, tu fais la distinction entre le blanc et le rouge, non? Bien sûr. Bon. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, 12 coups de fouet. Non, on prend la toge. Ah, bah, je l'ai jeté. Hein? T'es Vercingétorix, le chef gaulois. Non, pas du tout. Non, si, non, non, bien sûr. Comment t'es Vercingétorix, toi? Ben non, enfin. Bah. Les filles, allez vous prendre à manger, on se rejoint à l'intérieur. Oui, qu'est-ce que vous me voulez au juste? Une explication. Bon, je vous dis tout et vous m'oubliez. Bon, voilà. En fait, César, il m'a jamais vaincu. En Gaule, on est divisé, mais si on s'allie, on est trop dangereux. Et César, ça, il le sait, donc il a fait exprès de perdre quelques batailles contre moi. Du coup, je suis devenu le héros. Puis c'est là où il m'a capturé. Et pourquoi t'as accepté tout ça, toi? Ah, mais t'as vu les meufs que vous avez ici? Je suis à Rome. Je suis dans un palais. J'ai de l'oseille. T'es sérieux, toi? Allez. Ah, par contre, il n'y a plus de Vercingétorix, hein. Maintenant, c'est Versus. OK? J'arrive, les filles, j'arrive. Ouvrez la porte! Beaucoup moins que nous. Comme d'hab. Mais ils nous ont battus. Comme d'hab. On a essayé, mais... Vous en avez tué combien? Mais on en a blessé deux. J'aurais aimé plus. Hein. Les gars, plus vite on vaincra ces villages et plus vite on pourra rentrer chez nous, hein. Ah, et il est sans tête, hein? Bon, allez, va te faire soigner. Allez, repose-toi, ça va aller. Motus, compresse. Ah non, sincèrement, je croyais pas que t'allais revenir. Oh, je comprends, personne ne le pensait. Ah, si. Lui, il l'avait dit. Normal, c'est mon frère. Allez. Wow, 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 excuse-moi, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je lui coupe le bras. Si ça s'infecte, il peut mourir. T'inquiète pas, je peux jouer dès demain. N'importe quoi. Faut juste adoucir avec des feuilles d'eucalyptus. Mmh. Oui, j'ai quelques notions en botanique. Mmh. C'est pas trop serré là? Non. Ok, bah tu fais plus rien. T'attends, et normalement dans quelques jours, ça devrait aller mieux. Et ça va se guérir tout seul. Et on va en parler au centurion Décimus. Bah, faut qu'il te transfère à l'infirmerie. Mais tu trouves pas ça honteux, toi? Quoi, que t'aies sauvé mon bras? Ah ouais, vachement. Non, mais c'est que mon père, il avait trop honte que je sache pas me battre et que je préfère le bois et les plantes. Tu sais quoi, il connaît rien, ton père. Si c'était un soldat, il saurait à quel point il est précieux, ton savoir. C'est un soldat? Ouais, bah c'est un soldat vite fait, alors. Parce qu'un chef, il sait ça. C'est un chef. Un chef comment? Un chef-chef. Quoi, plus que centurion? Genre? Genre César. Mais dis rien aux autres, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'ils me détestent. Tu peux me faire confiance. Non, non, je vais me tromper, c'est mon tour.
Tu dis ce que tu veux? Non, moi, j'adore ça. C'est vous êtes sûr? Presque. J'étais pas loin de... Brutus, ça va bien? Oui, merci Centurion. Et enfin merci à tout le monde parce que tout le monde est super sympa avec moi et je pensais pas que ça se passerait comme ça. Yes, tout ça est normal. Parce qu'on est une... Une garnison? Une famille. Oui, d'ailleurs tu diras bien à ton père, hein, qu'on s'occupe de toi, qu'on fait attention, qu'il nous envoie des renforts. Ça va être compliqué, il me déteste. Pardon? Il me déteste parce que j'ai essayé de les tuer. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé ici. Quoi? Y a un problème? T'as profité de nous, Brutus! Mais pas du tout! Je pensais que vous étiez sympa par nature! Une armée romaine sympa par nature! T'as essayé de tuer César! Oui, dit comme ça, d'accord, mais y avait un contexte et ça m'a permis de réfléchir. Tuer, c'est pas pour moi! On t'a gardé dans le camp, t'as maintenu éloigné des Gaulois! Je t'ai coupé les ongles des pieds! Bah j'ai dit merci! T'inquiète pas, Brutus, on t'en veut pas. Si, on lui en veut. S'il est renié, putain. T'inquiète pas, Brutus, on t'en veut pas. Mais dis-moi, si je me trompe pas, t'as jamais fait de patrouille, toi? Non. Eh ben, c'est le moment! Il va se faire tuer tout seul. M'en fous! Il a même pas d'armes. C'est pas mon problème. Eh ben, pour la peine, tiens, garde-les, tes bâtons. Comme ça, tu pourras te soiffer toi-même. Hé, hey, Brutus! Bonne chance! Les gars! Ça y est, j'ai joué, c'est à toi? J'ai peut-être été un peu dur avec lui, non? Tu peux toujours revenir sur ta punition. Ils vont penser que je suis faible. Ou que t'es juste. Qu'on le ramène! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oh, le voilà, il est revenu. Oh, il était où, mon petit poupou? J'étais méchant avec toi. Parce que t'as fait pipi dans le lit de papa. Mais papa, il est content de te revoir. Oh, et regarde à quoi il joue, papa. Et papa, regarde ce qu'il va faire. Hop, 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 hop. Échec et mat. J'ai encore gagné. T'as vu, papa, comment il est fort quand tu es là? T'as vu, papa, t'as... C'était comme d'hab, la bouffe. Enfin, je veux dire, c'était pas bon, comme d'hab. C'était pas moins bon ce soir. Exactement. C'est quoi alors cet arrière-goût de... La culpabilité, mon ami. Après le dessert, t'es vraiment dégueulasse.
Tu déconnes, là? Ça reste son fils. Si jamais il lui pardonne, il sera content d'apprendre qu'il a envie. Et il t'en devra une. Enfin, je te rappelle que c'est lui qui l'a envoyé ici. Et ici, il n'y a pas 1000 activités. À part tuer ou se faire tuer, pas grand-chose. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, Centurion. Mais César, il est connu pour être impulsif, non? Je me demande bien à qui il en voudra si son fils meurt. Alors, t'auras mieux que là, petite chat, tu fais des faux, tu fais des beaux, hein. Vous me cherchez partout, ah, dans les arbres, sous les buissons, sous les rochers, je suis vos sauvages, c'est toi, mon tête de mer, et vous me le trouvez. Romain, toi? Non. Je déteste les Romains. D'accord. Un bon Romain est un Romain mort. Ok. Comment tu t'appelles? Brutus. Bon, la suite. Quand on se présente, on donne son nom et celui de ses parents. Efna, Epona, Alorix. C'est moi, Alorix. Tueur de Romains, de père en fils. Et elle, c'est ma fille. Coria, Efna, Vercingétorix. Ah, t'es la femme de... C'est bon, t'as compris? Allez, à toi. Brutus. Diana. Ah, mais là, vous allez pas aimer. Allez. Julius César. Mais pourquoi le fils de César est en Gaule? Il prépare une attaque? Il t'a envoyé en éclaireur? C'est pour me punir, parce que j'ai essayé de le tuer. C'est bon. On arrête. Hey, mais vous accueillez tous les Romains comme ça? Mais t'es sérieux? T'as pas vu la déco ou quoi? Mais moi, vous m'avez pas tué. Pas encore. Quoi? Rien. Je me demande si on s'est pas trompé de gars. Comment ça? Mais tu connais ma philosophie. Un bon Romain... est un Romain mort, oui. Voilà. Et si on t'a pas tué, c'est parce qu'elle a fait passer le mot à tous les villages. Mais qui, elle? Mais Albana. C'est toi qui l'as sauvée, non? Albana? Parce que t'as pas l'air d'être ce gars-là, hein. Albana, elle se rappelle de moi? Elle a même dit qu'elle boirait le sang de celui qui te ferait du mal. Waouh! Ah, t'es touchée? Et dégoûtée aussi, parce que d'un point de vue gastrique, c'est fou. Mais waouh! C'est le truc le plus beau qu'on ait fait pour moi, c'est... Bah dis-lui, tiens. Fait tellement manqué. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bon de vous revoir. On s'est vu il y a deux jours. Qu'est-ce qui te prend? Bah c'est comme ça qu'on se dit bonjour au village. Ah bon? Et depuis quand? Qu'est-ce qui a validé ça, là? Ça va, Albana? Oh, je t'ai pas reconnu, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi qui nous as demandé de le garder. Quelqu'un a faim? T'as faim? J'ai faim? T'as faim? Y a à manger ou... T'es sûr? Certain. Quel traître! Et dire que je l'ai laissé me sauver le bras. Comment je regrette. Nous, on l'envoie mourir dignement et lui, il pactise avec l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait, Centurion? On les attaque? Surtout pas. Cet imbécile va nous faire gagner la guerre. Échec et mat. Et voilà, j'ai encore gagné. Ah, tu deviens redoutable. Et en plus, je connais même pas les règles. Ah, César. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là?
Il devait pas disparaître. Effectivement. Qu'est-ce que tu veux? Oh, juste une petite rallonge. Ah, il veut qu'on l'écartèle? Je crois qu'il parle d'argent. Oh, je me disais aussi, c'était bizarre comme demande. César t'a donné de quoi tenir une année. Ouais, mais bon, vous savez ce que c'est, hein? Une charge par là, une taxe par ici, un petit impôt à la source, le petit prélèvement auquel on s'attendait pas, et hop, plus rien, on est à sec. Dégage de ma vue si tu veux pas que je t'écartèle. Écoute-moi bien, je sais pas quel village nous trahit, mais il faut rester vigilant. Regardez, écoutez, dès que vous avez la moindre information, ça vient directement à moi, c'est clair? Oui, ça m'en rappelle un de mes meilleurs amis. On s'était fâchés, mais pendant 2 ans, on se parlait plus. Tu sais comment c'est, Erin? Soirée compote. Attends, vous avez des soirées compotes ici? Tout le temps. Bah quoi, il y a des soirées raclette, il y a des soirées crêpes, pourquoi il n'y aurait pas de soirée compote? Je suis d'accord. Pardon, excusez-moi, pardon, s'il vous plaît. J'ai une annonce importante à faire. Je viens d'apprendre que d'après nos lois ancestrales, lorsqu'une Gauloise est en danger et que c'est un non-Gaulois qui lui sauve la vie, la Gauloise est obligée de se marier avec le non-Gaulois. Mais c'est quoi cette loi? Voilà. Je suis donc obligée d'épouser Brutus. Voilà, bon appétit. Non mais c'est quoi ces conneries? Et papa, hein, je te préviens, hein, si vous avez voté une loi aussi primitive... Moi-même, je suis pas au courant. Comment ça, t'es pas au courant? Bah... Attends, le bonhomme, moi je veux pas que t'aies des problèmes, t'es pas du tout forcé de m'épouser. Ah si, c'est comme ça, je suis obligée. Non, non, t'es pas du tout obligée, c'est moi la chef du village. Et je vais te la rayer, cette loi misogyne et rétrograde. Non, non, tu peux pas, tu peux pas. Et c'est important, les traditions. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Alors? Hein? Bah le mariage. Elle est vraiment obligée? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Le mariage. Elle est obligée ou pas? Mais non, c'est pas obligé. Obligé. Si. C'est obligatoire. C'est... Ben, j'avais pas vu. T'es écrit là. Oh, la pauvre. Et il faut que tu fasses ta demande bientôt. C'est aussi écrit. Ah bon? Quand? Ben, je sais pas, dans le mois... Dans la semaine! Là, c'est. 4 jours? C'est obligatoire. Non, mais c'est juste que. Elle va accepter, mais. Mais elle est forcée. Oh, attends. Il y avait écrit un truc que je n'avais pas vu. Quand la demande sera prononcée, la mariée aura le droit d'accepter ou de refuser. Mais il y avait écrit l'inverse juste avant. Même s'il y avait écrit l'inverse juste avant. Ah bah c'est bien, elle va pouvoir dire non alors. C'est bien. Mais... Parce que toi, t'aimerais bien qu'elle dise oui. Je sais pas. Brutus, elle te plaît, Albana? Un peu. Qu'est-ce que t'aimes bien chez elle? Elle est belle, elle est gentille, elle est courageuse, elle sent bon. Et qu'est-ce que t'aimes pas? Elle aime la bagarre et elle boit du sang. Bon, et alors? Bah alors, c'est dégueulasse. De toute façon, vous, j'ai remarqué, hein, c'est pas votre truc tout ce qui est hygiénique. Et j'ai quoi? Voilà, c'est ça le problème. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas lui dire? Quand on demande la main d'une femme, eh ben, y a un rituel. Quel rituel? Parce que s'il faut boire des trucs chelous, moi, c'est pas mon délire. Hein. Mais non, c'est super simple. Tu poses un genou au sol. Tu lui dis ce que tu possèdes, ce que tu es et ce que tu comptes faire. Pas de sang. Pas de sang. Mais qu'est-ce qu'on fout là, putain? Brutus est sûrement mort en Gaule. Faut qu'on trouve un autre symbole. Et Spartacus sera parfait. Alors, ça, pour toi, c'est propre. Non, mais maintenant que t'es libre, il faut que tu te donnes à fond dans ce que tu fais. Alors oui, c'est mon bracelet, mais en le nettoyant, tu y laisses un peu de toi. Et cela devient notre bracelet, tu vois. Alors tu y retournes, hein? Allez, ouloulou, allez. Vous devez être RL. Donne, vas-y, donne. Donne. Allez. Mais tout le monde paye pour lui parler? Oui, c'est pour la cause. Pour le groupe, quoi.
collectif du... qui permet le... Bon, allez-y, vous attend. Vous avez tué vos maîtres et pris leurs habits pour vous enfuir. Comme c'est astucieux, mes frères. Non, 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 rien à voir. On est des sénateurs. Ah. J'ai moi-même une grande passion pour le dessin. Il est encore pire que l'autre, hein, j'essaie... Non, non, Spartacus, on est sénateurs. Non, mais on est comme vous, hein. On est esclaves de César. Aide-nous à le tuer. Et pourquoi je fais ça? Vous avez des esclaves, vous aussi, non? Oui, non. Mais non, mais nous, on est très dans le respect des droits de l'homme. Vous n'avez pas d'esclaves? Non, c'est pas ça. On a des collaborateurs. Voilà, c'est des collaborateurs. Des collaborateurs qui nous aident dans nos tâches quotidiennes. Et vous les payez? Non. Oui, oui, oui. On les paye. Oui, enfin, tu racontes, on les paye très bien. Oui. On les paye très bien. On est bien au-dessus de la moyenne de ce que gagnent les autres esclaves. Les autres esclaves ne gagnent rien. Ben voilà. Exactement. C'est ça, justement. Ben on va vérifier. Et si vous m'avez menti, et sachez une chose, c'est que nous autres, les anciens esclaves, nous ne tuons pas pour notre gloire, mais pour notre liberté. Il est bon. Ah, ben, si. Ah, si, il est bon. Sinon, je voulais... Enfin, comme j'ai pas eu l'occasion de te remercier, quand t'as dit à tous les villages de me protéger, tu m'as sauvé la vie. Ouais, bien sûr. Quoi? Non, mais je t'ai vu contre les gladiateurs. Ouais, voilà. Alors, ouais, je crois que là, il y a un vrai quiproquo, parce que ce que t'as cru voir... Mais arrête, là, t'es trop humble. T'as un truc, tu fédères. Les gens t'aiment. Ifna. Non. Bah, elle t'aime bien, alors que pourtant, elle déteste tous les Romains. Ah. Et là, le gars, tu le défonces, c'est compris? Faut que vous soyez prêts. Y a pas d'âge pour se défendre. Et pourquoi elle déteste tous les Romains? Vercingétorix. Ah oui, d'accord. C'était vraiment quelqu'un, Vercingétorix. Tous les Romains avaient peur de lui. Et moi, je sais qu'un jour, je le rejoindrai. Tu sais où il est? Il est mort. Mais... je le rejoindrai au Rocher des Braves. C'est quoi ça? C'est là que reposent les âmes de nos guerriers légendaires. Au fait, j'ai parlé à l'Oryx. Ben moi, je suis obligé de te demander de m'épouser. Mais toi, tu peux refuser. Ah, d'accord, ok. C'est Alorix qui t'a dit ça? Donc d'accord. Voilà. Et sinon, je voulais... Moi, Brutus, ce que je possède, un petit terrain en périphérie de Rome. Pourquoi tu me parles de Rome? Bah, parce que c'est là que j'habite. Je comprends pas, tu comptes pas rester ici? Bah non. Si tu racontes, tu peux pas y retourner. Mais pourquoi? Parce que je veux pas... Je sais pas, je pensais que tu voulais rester ici, qu'on combatte ton père ensemble. Mais je suis pas gaulois, moi. Mais tu peux le devenir, si tu m'épouses, on pourrait... Non, moi je suis désolé, je peux pas. Non, moi je faut que je retourne à Rome. Tu dormais dehors, Brutus. Qu'est-ce qui te retient? Bah déjà, Rome c'est mieux que la Gaule, voilà, tout est mieux là-bas. En plus, tu le sais, tu y as vécu. Mais j'y étais esclave. Bah franchement, je crois que je préfère être esclave à Rome que libre ici. J'ai été baladée de maître en maître, de maison en maison. Je t'avais pas été héroïque dans l'arène, j'ai pas sûre. Été héroïque. T'as mal vu, je sais même pas me battre. Mais je sais que tu sais pas te battre et je sais que tu t'es pas battu. Mais tu nous as donné de l'espoir. Ce que je vois là, j'aurais préféré jamais le voir. T'as raison, retourne à Rome. Attends. Pourquoi tu me dis pas juste non? Tu peux refuser de m'épouser. Albana? Envie de m'épouser? Ah oui, t'as dit ça? Ouais, t'as raison, lui parle plus. D'un côté, je le comprends. Pour lui, on était sauvages.
Mais si, je lui montrais qu'on est gentil et raffiné. Ouais, c'est bien ça. Montre-leur qu'on est raffiné. C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est que j'ai quelqu'un qui me retient là-bas et j'ai quelqu'un qui me retient ici. Ah, un pied à Rome et un pied en Gaule. Exactement. Ben, fais gaffe à ton cul, hein, parce qu'entre les deux, il y a les Alpes. Alors attends, celle-là, elle va vous faire marrer. C'est un Ostrogoth et un Visigoth qui rentrent dans une épicerie. Franchement, de tout qu'on a l'air avec leur connerie, franchement. Et tu préfères mourir ou faire ta lessive toi-même? Un seul, on aurait pu en garder un. Ah oui, eh ben, mais on aurait dit quoi, Spartacus? Je suis contre l'esclavage, mais j'aime pas trop les tâches. Écoute, t'es sympa, mais la brouette, pourquoi pas? Mais pas dans la cheminée. Tu ris pas, Publius? Si, si, mais comme tu l'avais déjà raconté, hein, la deuxième fois, on rit toujours moins. Bien sûr. Non, mais j'avais rigolé. J'avais rigolé. Non, mais il a rigolé. Hein. Non, j'ai rigolé. Ah oui, vraiment, non, là, on l'a entendu, là. Non, mais je l'ai trouvé super drôle, César. César. Regarde. Attends, César. Je vais te donner des noms. J'en connais. Sauf qu'on organisait la tentasse. Oh, ça va bien. Oh, t'as pas rigolé, t'assumes, quoi. Oh. Dites donc. On travaille ici, monsieur. Enfin. Alors, un peu de respect. Hein? Non? Alors, par contre, le soir où vous allez vous retrouver, tu bois ça pendant le dîner. Ce petit truc, là? Comme ça, si elle t'empoisonne, tu risques rien. Pardon? Parce que t'as dit empoisonner. Non, mais je te dis qu'elle a accepté. J'ai été pas dit qu'elle allait pas essayer de te tuer. Et ça enlève complètement l'effet du poison. Et alors, une heure après, je bois ça. Ça? D'accord. Ah oui, parce que ça me permet de... J'ai pas compris. Ah, ok. Centurion Decimus, voilà maintenant quelques années que je me bats pour toi en Gaule. Toujours avec fierté et toujours avec... Super. Je suis venu te dire aujourd'hui qu'il s'est installé parmi nos troupes un doute. Depuis que ton fils Brutus a rejoint l'ennemi... Désolé, César, mais on l'a vu. L'autre. Il vit chez eux, il s'habille comme eux, il mange avec eux. Il semble même qu'il soit très proche d'une Gauloise. Tes futurs petits-enfants risquent fort d'avoir du sang de Gaulois. Tu vas retourner en Gaule. Et tu vas tuer ce traître. Je te donne 2000 hommes. On les a pas. Comment ça, on les a pas? Bah, c'est toi. T'as voulu conquérir le monde, notre armée est dispersée. 1500, on peut. Ils surveillent les frontières. Bah, je vais te donner ce que je peux. On y va. Où ça? Chercher Brutus. Vous êtes parlé? Du coup, t'as rien décidé? Non, j'arrive pas. La seule question que tu dois te poser, fils, c'est de savoir laquelle de ces deux personnes te rend le plus heureux. Il ne reviendra pas. Je sais. Alors pourquoi t'es là? Pour être sûr qu'il ne revienne pas. Tous les jours. Tu sais que je suis pas romain à la base. T'es quoi alors? Arménien. T'es arménien, toi? Mais tu sais te battre alors? Pourquoi tu soignes les blessés? Viens sur le champ de bataille avec nous. Savoir se battre, ça veut pas dire aimer se battre. Mais chez nous, si tu tues pas tout ce qui bouge, t'es pas un homme. C'est vrai que vous êtes sauvages, vous, les Arméniens. Pas plus que vous. Mais vous nous avez vaincus, alors j'ai dû choisir.
M'engager dans votre armée ou mourir. Et qu'est-ce que t'as choisi? Réfléchis, Claudius. Ah ouais, c'est vrai que c'est con. Je porte les couleurs de Rome et je suis pas à ma place. Mais ici, au moins, je tue personne. Je soigne. Donc je suis à ma place. Et ben lui, sa place est avec nous. Moi, c'est Claudius. Je suis le frère de Brutus. Et moi, c'est Albana. Je suis sa femme. Tu sais, Brutus, j'ai bien réfléchi et je suis d'accord. Allons vivre à Rome. Fais-moi découvrir cette ville fantastique. Oh, mais tu vas voir, c'est génial, Rome. C'est... Moi, j'ai plein d'amis qui... En fait, j'ai pas d'amis. Ça me rassure d'être là-bas parce que je connais rien d'autre. Et si j'ai jamais pu partir, c'est parce que... accepte de m'épouser, je reste ici. Moi, Brutus, ce que je possède... Attends, plus tard. J'ai soif. Tu veux que j'aille te chercher de l'eau? Non, j'ai mieux. C'est notre meilleur vin. Tiens. D'accord. Tu veux que je boive, c'est ça? Mm-hmm. Je sais qu'à Rome, vous avez du bon vin, mais... Bah, tu vois, nous aussi, on peut être raffinés. Bah ouais. Ouais, bien sûr. Ça va pas? Si, super. T'es sûr? Carrément. Oui, bien sûr. Hey. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? On a juste un petit rituel à Rome. On doit, avant de goûter un nouveau vin, il faut faire une petite prière. Donc je vais faire ma petite prière. Je fais ma prière sur le vin. Et ensuite, voilà, on laisse la prière se propager. Voilà. Mmh. Et maintenant, on peut boire. Voilà. Tu ne veux pas boire? Mais je suis dedans. Je suis en pleine dégustation. C'est d'abord mental. Allez, à trois. On y... Un, deux, trois. J'ai bu. T'as aimé? J'ai aimé. Et toi, ça va? T'es plus fâché? Non. D'accord. Tant mieux alors. Non mais en fait du coup j'ai un truc. Faut que j'y aille parce que j'ai des trucs. Comment ça? De quoi? À faire. Quoi? C'était... Mais on se voit plus tard. Non attends, c'est pas du tout ça. Mais non mais... Putain Loris, tu fais chier. Je suis désolé. Oh mais ça va, c'est pas ta faute. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu restes. Ouais, mais par contre, je tuerai aucun Romain. Ni personne, d'ailleurs. Mais oui, t'inquiète pas, on a le temps. On verra plus tard. On verra rien du tout plus tard. Je vais tuer personne, point final. Même en légitime défense? Même en légitime défense. Un petit accident? Il y aura pas de petit accident. Léger étouffement en forêt? Non plus. Une petite manchette dans la gorge? Oublie. On a le temps. Debout. Oh! Tiens, ta rallonge. César a une mission pour toi. Qu'est-ce que je dois faire? Tous les tuer. Et jusqu'au dernier Gaulois. Alors,
Alors, c'est vraiment toi le spécialiste de la Gaule. C'est bizarre, parce que j'ai rencontré tous les centurions quand t'es envoyé ici. Toi, je t'ai jamais vu. J'ai infiltré les Gaulois pour aider à capturer Vercingétorix. Non. Si. Tu l'as déjà rencontré? Oui, je l'ai bien connu. Par contre, il faudrait pas que les Gaulois me voient, ils pourraient me reconnaître. Bien sûr. Tant que tu nous aides à les tuer. On a quand même mis le pied à vitrier, alors oui, doucement. Hein. On le connaît depuis qu'il est petit. Voilà, doucement. Alors. Aïe, aïe, aïe. 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 Tiens, regarde. Aïe. Tu les connais? Oui, oui, je les connais. Ah. Ah. Mais qu'est-ce que vous faites là? Le temps presse, Brutus. On y va. On va où? À Rome. Finir le boulot. Oh, les gars, c'est bon, moi j'ai plus envie, là. Ah, oh, bah alors, s'il a plus envie... Par contre, t'avais envie, hein, quand t'as crié liberté. Tu t'es pas rendu compte qu'on était un groupe, hein? Non, toi, t'as pris d'initiative personnelle, c'est... Ça m'énerve, ça. Brutus, tout le monde parle de toi à Rome. Bah, tout le monde, non. Enfin, bon, non, bon. Une petite minorité, oui. Il est pas bien, César, là. Ah bon? Ah oui. En plus, ton élève Spartacus lui fait beaucoup de mal. Mon élève? Oui, il dit partout que c'est toi qui l'as inspiré. Oh, d'accord, mais enfin, moi, dans tout ça, je... Mais toi, dans tout ça, t'es devenu un symbole. Voilà, dans tout ça. Oui. On va te cacher à Rome et finir ce qu'on a commencé. Tu es César. Tu sais que tu peux le dire à haute voix, ici, hein? Oui, mais je préfère... Eh, hey, les gars! Hein? Ils veulent tuer César? Ok. Ah, mais... Croyez-moi, nous sommes très fiers et vous pouvez compter sur nous. Allez, allez, allons-y. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux parvenir? Je vais me marier. Tu vas te marier quoi? Avec une Gauloise? Tu vas finir comme Vercingétorix? Eh ben voilà, maintenant on sait qu'il a des alliés au Sénat. Je vous attends ici. Bon allez les gars, on va aller nettoyer tout ça. Attends. Par contre, César veut pas de mort. T'es sûr? Préfère pas qu'on les tue. Non, il a besoin d'esclaves. Bon, Brutus, il y a une armée qui approche. Attendez, on peut discuter. Ça sent quoi? C'est quoi cette odeur-là? Ça serait pas l'odeur de la victoire, ça! Ça sent bon le retour à Rome! Hein? Ah, Versus! Il est où, Versus? Versus! Ah! Allez, viens, mon ami, viens saluer, viens dire bonjour. Tout ça, c'est grâce à toi. Non, j'ai un truc à faire, là, puis tout à l'heure. Ah ben, comme tu voudras, mon ami. Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe, là? Il n'y a plus d'applaudissements? Hein? Allez! Oh! Allez! C'est toi, Claudius? Comment tu sais? T'es le seul Romain qui fait la gueule. T'as peur pour ton frère, c'est ça? T'inquiète, ils l'ont pas eu. Ils sont où les autres? Capturés. Albana. Quelle crève! Si on l'avait pas écouté, on t'aurait tué, ces deux-là les auraient jamais menés à nous. Eh, on se calme, là. On est dans le même camp. Ah ouais, quel camp? Les Gaulois ou les Romains?
tue-le, Hefnar. Mais ça va, oh, 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 oh. Hein? Mais c'est même pas nos histoires, en plus, d'accord? Parce que nous, maintenant, on est grillés. Mais vous en avez pas marre de vous rentrer dedans? On n'est plus que cinq, là, et vous continuez encore? Gaulois, Romains? C'est pas nous! Mais bien sûr que c'est à cause de vous! Depuis le début, c'est à cause de vous! Vous vous cachez derrière moi. Vous voulez tuer César? Bah tuez-le, vous-même! Mais là, pour le coup, ils ont raison, Hefnar. C'est des Romains. Et toi aussi. Mais on n'est pas que ça. Je vais marier une Gauloise. J'ai été marionnettiste. Légionnaire. Et bientôt, tueur de Romains. Pas du tout. Petite... C'est César le responsable. Et tu sais, il n'y a pas que des Romains qui lui obéissent. Je sais, un des villages nous a trahis. Non, c'est pas un des villages qui vous a trahis. C'est ton mari. Son mari. Je comprends pourquoi il s'est barré, hein. Arrête. Il est à Rome. Et il est bien vivant. Hefnar, je sais que je peux pas imaginer ce que tu ressens. Mais il est parti. On peut pas le ramener. Par contre, Coria, elle... Ta fille, elle est encore là. Ton village aussi. Il faut les sauver. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Comment tu veux te battre sans tuer ton ennemi? Il faut juste bien choisir son arme. Cette dernière belle journée en Gaule qui s'annonce magnifique. Un homme seul! C'est un Gaulois! Un Gaulois? Il est armé! Je connais qu'un seul Gaulois qui oserait faire ça, mais il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Versailles, j'ai ton rix! C'est Versailles, j'ai ton rix! Quoi? C'est la sorcellerie gauloise. On est foutus. C'est son esprit. Il est venu nous sauver. Il s'approche! Il s'approche! Oh! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Versailles, j'ai ton rix! Il est tout prêt! C'est beau. C'est beau. Centurion, c'est quoi? Il faut les libérer et nous laissera tranquille. Levez-vous. On libère personne. Mais t'es fou, tu veux qu'on se fasse tuer? Je vous dis que c'est pas Vercingétorix. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, taisez-vous. Il faut que je réfléchisse. Centurion, il approche. On va quand même pas se faire tuer pour des Gaulois. On se calme. On est à l'abri dans le camp. Si on sort, on est vulnérable. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ah, il faut tous sur lui. C'est moi qui commande. Allez, tous en tenue de combat. Oh chasse. Oh armure. Thank you.
Moi, Brutus, je possède rien. Je sais pas ce que je suis et je sais même pas ce que je veux faire demain. Mais je veux pas le faire sans toi. Est-ce que tu veux ? Ça va être long, hein? Laisse-leur le temps, Cassius. Bon, vas-y, bouge, là. Bouge. Ah. Tu mets quelque chose? C'est quoi, ça? Alors, c'est la cagnotte pour les mariés. C'est un truc que j'ai inventé. C'est, voilà, chacun met ce qu'il veut. Si tu veux de l'argent, des bijoux, des robes... Moi, j'ai rien, là. Désolé. Non, c'est juste pour leur permettre d'être plus indépendants, quoi, si tu veux plus... plus libre. Libre. Je cherche ça. Ah bah, génial, merci. Si vous pouviez, ça nous... On voit plus très bien, là, monsieur. Merci, merci, merci à tous d'être là, merci. Mes amis, nous célébrons aujourd'hui deux événements. Le premier, c'est la création d'une coalition gauloise. Le drapeau ! 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 Attendez, il y a un protocole, hein, vraiment. Désormais, nos quatre drapeaux n'en feront qu'un seul. Rideau ! Mais c'est qui le... le deuxième événement. Et non des moindres, c'est le mariage de nos deux chers enfants, Brutus et Albana. Alors, je voudrais... Ouais, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Tu nous as appelés. Alors, bon, ben, alors, ils sont là. Hein, nous leur souhaitons beaucoup d'enfants et autant de Romains morts. Voilà. Nous allons voir commencer la cérémonie, mais dans les traditions. Dans les traditions, c'est... Vive les mariés ! Veux que nous... Attendez, c'est trop tôt. Vive les mariés ! Oh, mais non, pas maintenant, non ! Vive les mariés ! Ah, mais les colons, vous n'avez rien, les colons ! Non ! Vous cachez tout, là, les colons ! Liberté ! Pour les colons ! Et là, on avait le marquage. Alors, ça y est? T'as enfin décidé de me tuer? Pourquoi je te tuerais? T'es juste un messager. Donc, tu vas aller voir mon père. Mais t'as pas de père. T'as pas de famille. T'as pas de patrie. T'as pas d'honneur. Jusqu'à son dernier souffle, César va te pourrir la vie. Alors, va falloir qu'il meure. Parce que tu crois vraiment que toi, tu vas tuer César? Je veux pas tuer César. Je vais tuer Rome. Tuer Rome? Antonia, réquisitionne tout le monde. On part en Gaule. Pourquoi t'as dit ça? Je sais pas. Tu devais juste lui dire de nous laisser tranquilles. On le laisse partir, on s'occupe pas de Rome, Rome s'occupe pas de nous, c'était ça le message. Je sais, mais il m'a provoqué. Je sais pas, j'ai bien senti la formule. Mais sincèrement, moi César, je le connais et je te promets, il a v'là des trucs à faire, il va même pas nous calculer. On est dans la merde. On est tellement dans la merde. It can be our
hasn't stopped yet. Come closer, I can feel you are the remedy. Oh, it can be our time. We've been craving for a new sign. You can let it go, me. It can be.